Michel, hein? Monsieur le maire et conseiller général, monsieur Éric Gérard, mesdames et messieurs du conseil municipal, mesdames et messieurs, avant donc d'évoquer le pourquoi de cette commémoration, j'aimerais, au nom des Amis du patrimoine napoléonien, en présence de notre président fondateur Daniel Poisson, qui est aussi acharné que moi pour défendre et sauvegarder la mémoire de nos anciens et valeureux grognards de l'époque napoléonienne, j'aimerais, et des différents membres de notre association ici présents, j'aimerais remercier d'abord monsieur le maire, je vais dire au nom du monsieur le maire, et remercier également Michel Thomas qui m'a franchement bien aidé dans toute la, disons, l'organisation de la chose. Et donc, j'en suis très reconnaissant et l'association y est également et a apprécié, disons, ce que vous nous avez apporté. Donc, je ne vais pas aller beaucoup plus loin dessus. Je vais vous faire quand même une petite explication historique. Parce que, pourquoi une plaque? Il faut se dire que Napoléon III, neveu du grand empereur Napoléon Ier, crée le 12 août 1857 une nouvelle médaille en remplacement de toutes celles qui avaient été faites par les différentes associations d'anciens combattants des guerres napoléoniennes et qu'il va appeler médaille de Sainte-Hélène en l'honneur des survivants, je dis bien des survivants en 1857, des combattants de guerre de 1792, c'est-à-dire la Révolution, et jusqu'à 1815, la fin de Napoléon Ier. Elle a été gravée par Albert Barre, qui était graveur à la médaille à Paris. Et cette médaille en bronze, que tout le monde surnommait la médaille en chocolat, du reste, pour ne pas le dire, porte d'un côté l'effigie de Napoléon Ier et au dos cette légende. Campagne de 1792 à 1815, à ses compagnons de gloire, sa dernière pensée, 5 mai 1821. Et je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, 5 mai 1821, c'était le jour de la mort de Napoléon Ier à l'île de Sainte-Hélène. Et c'est donc pour rappeler les noms de ces survivants, qui sont peut-être, pour certains, vos ancêtres, vos plus proches ancêtres. Et les Amis du patrimoine napoléonien ont voulu honorer ces braves qui ont combattu pour défendre la France contre les coalitions sans cesse renouvelées. Et donc par la pose d'une plaque commémorative dans votre cimetière. Et je demande donc à monsieur Éric Gérard, à Napoléon et à mon président de dévoiler cette nouvelle plaque. Peloton, garde à vous, peloton, portez vos armes. Voilà. On peut applaudir, hein. Je récupère le fouillard. Présentez vos armes. l'origine, Veillons au salut de l'Empire était un chant révolutionnaire sur une musique d'un opéra d'Alérac, Renaud d'Aste, sur des paroles de Simon Bois. Et ça s'écrivait avec un petit E au départ, et lorsqu'il y a eu l'Empire en 1804, ça a été écrit avec un grand E. Voilà. La victoire. La victoire en chantant, nous ouvrons la barrière de la liberté de nos temps. Et nous mis la ronde de les ennemis de la France. De sang et d'orgueil, le peuple souverain s'affronte, tirant des sons. La République nous appelle, sachons vain ou sachons périr, un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir, un Français. Attends. Alors je vais quand même, vous avez les noms qui sont marqués, c'est vrai, mais je vais quand même vous rappeler un petit peu leur vie. Barbeau, Jean-Pierre, qui avec 64 ans en 1857, a fait partie des 3e grenadiers de la vieille garde, et il a fait jusqu'à Waterloo. Canet en François, Anne-François, dragon de la vieille garde également, brigadier, a terminé sa carrière après la campagne de France de 1814. Doisy, lui, a fini en 1818, vous voyez qu'il a commencé en 1811, il a fini en 1818, c'est-à-dire qu'il a fait toutes les campagnes de Russie, les campagnes de France, d'Allemagne d'abord et de France, et de Waterloo ensuite. Et il a fini comme caporal dans notre région. Il y avait son frère Doisy, Pierre Simon, qui lui est fini caporal, était au 66e de ligne, et Garnier, qui lui a été sergent, a fait les campagnes et il a continué sa carrière jusqu'en 1835. Garnier Jean-Théodore, lui, a fini sa carrière juste après Waterloo, tandis que Miard, lui, a fini en 1816, comme Fourier, avec un congé définitif, et Pellier avait 71 ans. Était chasseur à cheval de la garde impériale à la 1ère compagnie et il a fait les campagnes de France comme beaucoup de ses copains. Et c'est du reste un peu pour ça qu'on commémore tous ces gens-là en 2014 parce que finalement, à part quelques-uns, ils ont tous été en 1814 à combattre dans la campagne de France. Et pour finir, Soran, qui lui alors a fait de 1802 à 1815 et il a été pensionné de l'État. Ce qui veut dire que lui, il a fini comme au premier grenadier de la vieille garde. Voilà, merci. Vas-y. Et alors, on va faire quand même honneur à la France avec la Marseillaise, notre hymne national. 1, 2, 3. Portez vos armes. Reposez-vous sur vos armes. Juste un petit détail. Tu as trouvé le... Alors, il faut savoir que sous l'Empire, c'était le chant du départ qui était l'hymne national. Pourquoi? Tout simplement parce que Rouget de Lille avait fauté avec Joséphine et Napoléon a fait interdire la Marseillaise. Donc la Marseillaise était interdite sous l'Empire, faute de jupons. C'était comme ça. C'est toujours comme ça, mais c'était la vérité. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. C'est vrai, c'est vrai. Donc on va par là-bas. Pour l'ensemble, par le flanc droit, portez vos armes. Par le flanc droit, à droite. Jacques, avance. Par file à droite en partant, en avant. Marche. Ah, ils savent pas où c'est? Si, c'est celle-là. C'est la voie, c'est rapturé, non? Oui. Et puis des gants. S'ils cherchent à tomber, c'est grave. Une minute de silence avec présentation des poses d'une gerbe par les Amis du Patrimoine Napoléonien en compagnie de notre conseiller général. Allez-y. Et je demande une minute de silence. Oui, oui, oui. Merci bien. Portez vos armes. Alors, on revient vers la salle des fêtes, et c'est là où vous donnez le concert. Et donc, il y aura un concert de musique par les élèves. Demi-tour, à droite.